Bonsoir à tous. Nous allons donc tenir cette séance de conseil municipal de rentrée, qui est un ordre du jour de rentrée. Les cartables ne sont pas encore trop pleins. Mais avant d'ouvrir la séance, nous avons appris la semaine dernière le décès de Jean-Luc Bretonnet. Jean-Luc Bretonnet a été conseiller municipal à Saint-Grégoire. Il a été élu sur la liste de Daniel Cassard en 1995. J'ai d'ailleurs siégé. Ah non, j'ai pas siégé avec lui. Mais il était très fidèle à la fois à sa formation politique, pour le près de laquelle il était engagé, toujours avec beaucoup d'engagement, très fidèle aussi aux élections municipales. Il était toujours scrutateur, d'ailleurs, assesseur désigné de liste. C'était à la fois une personne investie, exigeante, mais très honnête dans ses relations humaines. En tout cas, j'en garde ce souvenir. Il est décédé la semaine dernière, à l'âge de 70 ans. Et il n'avait pas souhaité se représenter en 2001. Et c'est Armelle Bretonnet, au demeurant, à qui nous pensons évidemment. Qui a siégé au conseil municipal dans ce mandat en mémoire de cet ancien collègue qui a œuvré pour la commune. Je vous propose d'observer une minute de silence. Je vous remercie. Alors, nous sommes encore en mode de conseil municipal mixte, pour une partie présentielle et pour une partie distancielle. Et puis, normalement, nous essayons le nouvel équipement de retransmission moins, comment dire, rudimentaire ou moins empirique que ce que nous pouvions faire avec les moyens dont on disposait. Donc, on a essayé d'améliorer un petit peu les choses et d'améliorer aussi la qualité sonore dans cette salle. Normalement, les choses ont l'air de se caler. Notre système audio était un peu daté et donc on a profité de remettre tout ça à niveau. Voilà, donc sont présents normalement en présentiel Delphine Amelot, Anca Babès, Jean-Louis Bataillé. Florence Benoît est en distanciel, je l'aperçois au milieu de l'écran. Pierre Breteau présent en présentiel, Philippe Schubert en présentiel, Guillaume de Vergy en présentiel, Mathieu de France en présentiel, Myriam Delaunay est en distanciel, Éric Dumottet est en présentiel, Christine Duciel est absente et a donné procuration à Anca Babès, Édouard Faguet est absent et a donné procuration à Guillaume de Vergy, Maxime Gallier est en présentiel. Anne-Cécile Gauthier a donné pouvoir à Jean-Yves Guyot. Jean-Yves Guyot est présent physiquement dans la salle. Jean-Claude Jugdet également. Nathalie Legret-Gallon est en distanciel. Jean-Christophe Méléard est en présentiel. Christian Morel en présentiel. Nathalie Pasquier en présentiel. Flavie Pluriot a donné pouvoir à Maxime Gallier. Laetitia Moissonnet est en présentiel. Emile Roux en présentiel. Frédéric Rouxel est en distanciel. Mélanie Simon est physiquement présente et Liliane Vinet est en visio ou va être en visio, à moins qu'elle ne le soit et que je ne la vois pas. Elle va arriver un peu en retard. Ok. Parfait. Je vous ai donné communication des arrêtés du maire, une prolongation d'occupation
d'occupation de domaines précaires en faveur de l'association TABGA, des non-préemptions, des fixations de tarifs, des concessions de terrain dans les cimetières et l'attribution d'un certain nombre de marchés, un marché d'électricité dans l'ancienne rôtisserie Guillou pour mettre aux normes en vue de l'accueil du centre de vaccination, de même que quelques travaux de menuiserie extérieure et de plomberie qu'il nous a fallu engager pour permettre le transfert du centre de vaccination de l'EMC2 à l'ancienne rôtisserie Guillou et permettre ainsi à la fois de continuer à vacciner la population et en même temps de reprendre les activités de l'EMC2 qui a repris ses activités ce week-end, le week-end d'avant. Voilà, et puis des opérations d'attribution de lots dans l'ancienne maison Airfray, des lots de gros œufs de cloisons, de peinture et de TP, qui nous permettent d'engager la rénovation de la maison Airfray, même si nous avons eu à déplorer des lots encore infructueux que nous avons relancés. Voilà, je ne pense pas qu'il y ait de questions particulières sur ces arrêtés. Donc je vous remercie d'en prendre acte. On doit approuver le compte-rendu du conseil municipal de la séance du 5 juillet. Ce compte-rendu vous a été transmis par mail. Est-ce qu'il appelle des observations? Pas d'observation, je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Je le fais circuler pour signature pour les membres qui étaient effectivement présent à cette séance de conseil. Et donc on va pouvoir entamer l'examen de ce petit ordre du jour et je passe la parole à Laetitia Remoisnet pour la première question à l'ordre du jour qui est d'approuver le principe de passer au compte financier unique au 1er janvier 2022. Merci. Donc effectivement, cette délibération concerne la mise en place du compte financier unique. Donc jusqu'à présent, nous votions le compte administratif et nous validions le compte de gestion qui était tenu par le trésorier. Dans la mouvance, on va dire, de simplification et surtout de transparence financière, le gouvernement a donné la possibilité aux collectivités volontaires de passer au compte financier unique. Alors, ce n'est pas complètement anodin pour les services, puisque ce compte financier unique nécessite d'abord de passer à la nouvelle nomenclature comptable, qui est la M57. Nous sommes aujourd'hui en M14. Cette M57 sera obligatoire pour toutes les collectivités à compter du 1er janvier 2024. Suite à des échanges avec le trésorier, et je remercie les services, je ne sais pas si Antonin est là ce soir, mais donc nous a permis, ou en tout cas nous a proposé de passer en M57 et vers ce compte financier unique, du fait de la très bonne notation que nous avons au niveau de la qualité comptable, puisque nous avons obtenu une note de 18,7 cette année. Et je remercie vraiment les services pour la qualité des travaux qui sont réalisés tous les jours pour la sincérité, l'exhaustivité, l'intégrité des comptes de la commune. Donc ce compte financier unique, qu'est-ce qui va changer par rapport à aujourd'hui? C'est que du coup, nous allons pouvoir vous présenter enfin un seul document comptable donc qui va être finalement la consolidation du compte administratif et du compte de gestion. Donc d'avoir une vision globale à la fois finalement des flux de l'année, mais aussi de tout le bilan de la collectivité, donc les aspects patrimoniaux de la commune. Nous sommes très très peu de communes en Ille-et-Vilaine à avoir proposé notre candidature, et surtout que la candidature ait été acceptée par la DGFiP, par le trésorier, puisque c'est eux qui nous autorisent aussi à pouvoir intégrer cette expérimentation, sachant que nous sommes vraiment en expérimentation et sans doute une évolution vers une obligation de ce compte financier unique
à l'horizon 2024, après 2024, puisqu'il y aura un rapport parlementaire sur cette expérimentation qui doit être déposé fin 2023 ou début 2024. Comment ça marche? Voilà. Merci Laetitia. Est-ce que ça appelle des questions? Bon, je pense que c'est bien qu'on puisse s'inscrire dans une démarche d'expérimentation. C'est toujours mieux d'anticiper que de subir ensuite et de pouvoir expérimenter, faire part de nos commentaires et de nos avis avant que l'expérience ne soit généralisée, puisque c'est probablement, enfin c'est même certain que ce soit la trajectoire définitive. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je mets aux voix. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. On passe à des choses plus terre à terre, les admissions en non-valeur. Oui, qui font partie de cette qualité comptable, justement, puisque donc, tous les ans, on s'attache avec les services à nettoyer, entre guillemets, les créances, les impayés. Et donc, effectivement, le passage en non-valeur qui vous est proposé ce soir, c'est un montant de 535,67 €. Ce sont essentiellement des créances de moins de 30 €. Et compte tenu du coût administratif de traitement à la fois chez nous, dans les services, mais également à la trésorerie, on avait effectivement pris la position d'en dessous de 30 € et au bout de 4 ans de passer finalement en perte ces créances. Et donc on vous propose de passer 535,67 € en perte. Merci. Des questions là-dessus? Ça me permet de saluer le travail quand même un peu considérable qui est fait sur les plus, je sais pas comment on dit, l'analyse régulière de l'ensemble des... pas le recouvrement, mais l'analyse aussi des causes de non-recouvrement des créances, Laetitia, Delphine, Liliane, qui œuvrent pas mal pour cela avec les services, mais arrivé au bout du bout, il faut bien que quand on ne peut plus, on ne peut plus, donc admettre en non-valeur. Pas de questions là-dessus? Je mets aux voix, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci. Plus technique cette fois-ci. La limitation de l'exonération de la base imposable sur la taxe foncière, qu'on avait déjà, mais qu'il faut remettre. Je laisse Laetitia vous l'expliquer. Donc, comme vous le savez, il y a une réforme en cours de la suppression de la taxe d'habitation, donc avec l'objectif de la suppression de cette taxe. Pour effectivement compenser cette perte de produits pour les communes, pour les collectivités, il nous est transféré la taxe, la part foncière du département. Donc là, le département et les communes n'avaient pas forcément les mêmes politiques d'exonération, effectivement. Il y avait cette capacité d'exonérer la taxe foncière pour les constructions, rénovations pendant 2 ans. Cette exonération avait été supprimée à Saint-Grégoire en 2004. Le département n'avait pas cette capacité d'exonération, en tout cas pas celle-ci. Il y en avait d'autres, mais pas celle-ci. C'est toujours simple, c'est le système de fiscalité locale. Et donc, comme aujourd'hui, on récupère, et vous allez le voir sur votre fiche d'imposition d'ici quelques semaines. Voilà. Donc, vous avez dû regarder attentivement les taux. Merci, Nathalie. Puisqu'on passe d'un taux de 16 à 36%, non pas parce qu'on augmente les taux, bien évidemment, mais parce qu'on récupère la part du département qui vient compenser la taxe d'habitation que ne percevront plus les communes. Donc c'est uniquement ce mécanisme, c'est mathématique en fait. Et donc là aussi, il est proposé de redélibérer sur la politique d'exonération des habitations, constructions ou rénovations sur les 2 premières années sur la taxe foncière, du coup. Donc avec des abattements qui peuvent aller de 40% à 90%. On propose, pour avoir le même périmètre, puisque cet abattement correspondant à 86 000 € de produits pour la commune, de maintenir à 40%. Qui fait effectivement le même périmètre d'exonération, sauf sur une assiette plus large, et cela pendant 2 ans.
puisque c'est la durée maximum. Merci, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, c'est bon. Donc, s'il n'y a pas de questions, je mets aux voix. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? Unanimité, donc c'est un produit fiscal constant pour la commune, enfin quelques arrondis d'euros, hein, tu as dû le dire. Mais voilà. J'en profite sur cette question de la fiscalité locale parce que, comme le suggérait Nathalie tout à l'heure à voix basse, les avis de taxes foncières arrivent en ce moment. Et nous recevons une série de questions en mairie pour lesquelles nous ferons une communication spécifique. Mais j'en profite pour la faire. Nous sommes interrogés donc de fait sur deux choses. La première sur l'augmentation de la taxe relative au taux d'enlèvement des ordures ménagères. Le taux antérieur était de 4,15% à Saint-Grégoire en 2020 et il est passé à 5,7% cette année. La décision a été prise par le Conseil métropolitain d'unifier les taux de taxes d'enlèvement des ordures ménagères sur l'ensemble des communes. Ce qui fait que les communes dont la valeur foncière, l'assiette de taxes foncières, était en moyenne légèrement supérieure ou supérieure à la moyenne des communes, voient effectivement le taux augmenté appliqué à une base qui était plus élevée et qui conduit de fait à une augmentation de la cotisation d'impôt, comme on dit pudiquement, payée par le contribuable. Pas des impacts énormes en euros, mais c'est quelques, ça peut être 20, 30, ça peut aller jusqu'à 20-30 euros quand même d'impact. C'est une décision de la métropole. Nous avions milité pour que l'unification soit plus progressive et surtout qu'elle soit adossée à un service équivalent. Nous n'avons pas été entendus et la décision a été prise d'unifier one shot, enfin pardon, en une seule fois. Excusez-moi, cet anglicisme, ce mauvais anglicisme en plus. D'unifier en une seule fois le taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères. La deuxième, nous sommes interrogés sur l'évolution du taux de taxe foncière, ce dont vient de parler Laetitia, puisqu'effectivement, tel qu'est présenté l'état fiscal, on voit taux de la commune 2020 16,58 et on voit taux de la commune 2020 36,48. Et on se dit, diable, qu'est-ce qu'elle mouche leur a piqué? Ils ont quasiment plus que doublé le taux d'imposition de taxes foncières. Non, nous n'avons pas augmenté le taux de taxes foncières. Et par ailleurs, si la TOM n'avait pas évolué, le montant de taxes payées par les gens n'aurait donc pas évolué non plus. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? Je rappelle que la taxe d'habitation a été supprimée en totalité, que c'était une recette de la commune, et que pour compenser cette perte de recettes de la commune de manière définitive, on a attribué l'ancien taux, enfin, le produit de taxe foncière matérialisé par l'ancien taux de taxe foncière du département à la commune. Le taux du département était de 19,90%, 19,90 plus 16,58 égale 36,48%, qui est le nouveau taux d'imposition à la taxe foncière de la commune, puisqu'il n'y a plus que la commune qui perçoit la taxe foncière. Comme, il faudra qu'on le précise aux Grégoriens, comme les comptes ne peuvent pas toujours tomber exactement juste, le montant prélevé du fait des 19,90% sur la commune du département sont supérieurs à ce que nous percevions antérieurement comme produit de taxe d'habitation, et nous sommes donc corrigés. La commune perçoit non pas l'intégralité du produit de la taxe foncière prélevée sur son territoire, mais nous sommes corrigés d'un coefficient correcteur, qualifié du doux nom de COCO, d'un coefficient correcteur qui permet d'assurer que la commune ne perçoit pas plus de produits qu'elle n'en percevait avant. Dit autrement, le contribuable, toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire hors augmentation de TOM, n'a pas vu ses impôts progresser dès lors qu'il était assujetti à taxe d'habitation. La seule chose, c'est que là où une partie de ses impôts partait à la commune et une autre partie au département, tout revient à la commune, moins
le supplément de taxes foncières qu'ils ont payé et qui va dans une caisse commune au niveau de l'État pour assurer une péréquation entre les communes. J'ai été clair ? Ouais, oui, oui. Ah bah non. Juste pour les entreprises, c'est juste un point de complément, c'est que pour les entreprises, il y a en plus la convergence des valeurs locatives qui peut venir aussi troubler finalement le calcul de la taxe foncière. C'est sur le particulier, c'est mathématique, sur les entreprises, parce que j'ai déjà eu les questions, il y a aussi la réforme des valeurs locatives entreprises qui viennent aussi complexifier, on va dire, le recalcul. C'est pour ça que je préfère le dire. Voilà, et qui, pour le coup, pour les entreprises, elle peut conduire à une hausse effective en fonction de la correction de valeur locative, hausse effective de la cotisation payée au titre de la taxe foncière, pour le coup. C'est bien le contribuable ménage qui, lui, n'est pas impacté. Non seulement il n'est pas impacté, mais 80% d'entre eux, au demeurant, ne payent plus la taxe d'habitation, je le rappelle quand même. Voilà. Ça va pour tout le monde? C'est clair? Bien. Philippe? Non, vas-y. Non, c'est pour la suite. Ah, pardon. J'ai fait voter, du coup, je ne sais plus. Non. Donc je mets cette... Si, je crois que je l'ai fait voter, mais on va le refaire dans le doute. Je fais délibérer sur la question relative à la limitation de l'exonération, mais je suis pratiquement sûr de l'avoir fait. Il n'y a pas d'abstention, pas d'opposition, unanimité. Merci. Et Philippe, je te passe la parole, effectivement, pour les fonds de concours dans le cadre du quartier de la Galerie. Oui. Dans le cadre de l'opération d'aménagement de la bretelle d'accès et d'Alphazis et la requalification du quartier de la Galerie de la commune de Saint-Grégoire, suite à l'arrêté de Rennes Métropole du 15 janvier 2020 et par délibération du 21-9-2020, la commune de Saint-Grégoire a approuvé le versement des fonds de concours suivants à Rennes Métropole. Donc pour la bretelle d'Alphazis, à l'époque, c'était 226 275 euros TTC. Pour le quartier de la Galerie, 1 030 000 euros. Conformément aux dispositions de l'article L1615-2 alinéa 5 du CGCT, la commune pouvait jusqu'à récupérer la SCTVA, le fonds de compensation de la TVA, sur le versement de fonds de concours relatifs à des opérations réalisées sur le domaine public routier. Cependant, en raison de la mise en place de l'automatisation et la récupération des fonds de compensation de TVA par l'article 251 de la loi numéro 2020-1721 de finances pour 2021, le dispositif dérogatoire de la récupération de la FCTVA prévu à l'article 1615 alinéa 2 alinéa 5 du CGCT évoqué ci-dessus a été supprimé. Par conséquent, la commune ne pouvant désormais plus récupérer la FCTVA sur les versements de fonds de concours effectués à compter du 1er janvier 2021, il convient pour les prochains versements effectués par la commune soit établi sur les montants hors taxes. De la même façon, le montant définitif du fonds de concours sera déterminé en appliquant le taux de financement indiqué ci-dessus au montant hors taxes définitif de l'opération diminuée des éventuelles participations reçues. C'est-à-dire qu'à partir de début de l'année, on ne peut plus toucher la TVA. Donc, à titre de. Parce que ça a été transféré à Rennes Métropole, si je ne me trompe pas, c'est ça, hein, comme ça. Au titre de 2020, le versement suivant a été demandé à la commune. Alors, pour la bretelle d'Alphazis, 94 281,25 euros. Et pour la galerie, 146 635,83. Ces versements n'ayant toutefois pas été réglés par la commune de Saint-Grégoire avant le 1er janvier 2021, la commune ne pourra donc pas récupérer la FCTVA sur ses dépenses. Il convient donc que Rennes Métropole rembourse le trop perçu de 48 183,42 à la commune afin de neutraliser les effets de versement d'acompte TTC de fonds de concours de Rennes Métropole. Le solde du fonds de concours sera calculé en ne prenant compte que le montant hors taxe déjà versé. À titre informatif et en attendant le relevé définitif des dépenses des recettes d'opération, parce que toutes les dépenses ne sont pas finies, hein, surtout pour la galerie, parce que pour la bretelle, c'est soldé. Donc la bretelle d'accès à Alphazis, c'est 94 280,25, donc c'est soldé, donc c'est fini. Et pour le cas de la galerie, 146 635,83. Donc ça fait un solde de 250 000 euros.
Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide d'approuver les modifications du versement des fonds de concours par Rennes Métropole pour les conditions présentées par la présente délibération venant modifier la délibération de la délib du 2020-073 du 21-9-2020. C'est-à-dire, c'est juste pour le problème de la TVA qui est modifié, si j'ai bien compris. Maintenant, c'est Rennes Métropole qui va la récupérer pour cette partie-là. C'est ça. Et on doit ajuster les montants de fonds de concours à due concurrence et puis un montant d'opération légèrement inférieur dans les deux cas. Ouais. Ce qui est assez rare, c'est-à-dire que nos enveloppes estimatives étaient dans les deux cas très correctes. Oui, ouais, je pense qu'il y aura presque 30% pour la galerie, quoi, à peu près. Au moins. Mais très bon, ce n'est pas définitif. Donc non, il faut qu'on attende la fin des opérations. Enfin, on était un peu au-dessous en réalisation. Il n'y a pas d'observation, je peux mettre aux voix, pas d'opposition, pas d'abstention non plus. Je vous remercie. Éric Dumotet, on passe à une vente d'emprise publique au Mélier. Oui, donc dans le cadre d'une demande qui nous a été faite par le syndic de copropriété du 15-17-19 des Méliers, on s'est aperçu que les limites cadastrales ne correspondaient pas aux clôtures existantes parce que le permis de construire qui avait été livré initialement, avait été délivré sur une limite cadastrale qui n'était pas la bonne. Donc, pour être cohérent, on a décidé de remettre tout ça dans l'ordre. Il est donc nécessaire de céder au syndic de copropriété 123 mètres carrés. On a décidé de leur céder à l'euro symbolique s'ils acceptaient de prendre en charge les frais de notaire et les frais de géomètre, ce qu'ils ont fait. C'est donc le cadre de cette délibération. C'est juste d'autoriser de déclasser ces 123 mètres carrés pour le mettre dans le domaine communal privé afin de pouvoir le céder ensuite au syndic de copropriété, les charges étant liées à l'acquéreur. Merci, ça fait partie des aléas d'ajustement de cadastre. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention, unanimité, merci. Maxime, modification du poste de référent d'exécution budgétaire au service des finances. Il était rouge ? Ah ok, merci. Donc première délibération pour les ressources humaines. Donc effectivement, suite au départ d'un agent du service finance et à son remplacement par un autre agent de ce même service, il convient en fait de modifier le poste de référent exécution budgétaire créé à temps plein et de le pourvoir par un fonctionnaire relevant de la filière administrative sur le cadre d'emploi de catégorie C des adjoints administratifs ou sur le grade pardon, de catégorie B de rédacteur, donc à compter du 1er octobre 2021. C'est une modification, pas une création. Il s'agit donc d'une modification de poste. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions. Je me vois, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions ? Unanimité, merci. Du coup, on poursuit, Maxime, avec cette fois-ci des vacations pour la tenue du centre de vaccination. Oui, tout à fait. Donc, pour rappel, l'accueil et la gestion administrative du centre de vaccination contre la COVID-19 basé à Saint-Grégoire sont confiés à la mairie de Saint-Grégoire donc depuis le 19 janvier 2021. Depuis cette date, donc, la mission a été réalisée tout d'abord par des agents et des élus de la mairie, puis par des vacataires pendant la période estivale, à la demande des services de l'État qui se sont engagés à prendre en charge le coût supplémentaire engendré. La ville va maintenir ouvert le centre de vaccination à compter du 21 septembre 2021, c'est en fait la date de la dernière délibération, et cette fois-ci pour une durée indéterminée. Pour répondre à cette demande, il est proposé de faire appel à des vacataires afin d'assurer cette mission de santé publique. Dans ce cadre, la rémunération, qui n'a pas changé en fait, sera versée par la mairie de Saint-Grégoire et sous forme de vacation établie sur une base de 55 euros bruts par demi-journée. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Je pense qu'on a bien fait de transférer le centre de vaccination et de le maintenir en l'état, puisque quand on a pris cette décision, il n'y avait pas d'orientation très précise sur le fait qu'une troisième dose serait très probablement obligatoire. Elle est aujourd'hui assez claire pour toute une partie de la population.
On sent que cette généralisation peut être de longue durée, et donc le fait d'avoir maintenu un centre de vaccination en proximité était sans doute une bonne décision. Pour autant, il faut le pérenniser en quelque sorte, d'où l'idée d'avoir de pouvoir verser effectivement son de vacation. Parce que malgré tout, la vie communale, elle, reprend son cours normal. Voilà. Ou à peu près. Pas d'autres questions ? S'il n'y a pas de questions, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. On passe à la question suivante, qui est un vœu. Alors, c'est une première, je crois, dans ce mandat. On en fait assez peu à Saint-Grégoire. On n'est pas comme dans les grandes villes où on fait des vœux pour beaucoup de choses. Chaque conseiller municipal est évidemment libre d'inscrire dans les limites du règlement intérieur un vœu. Pour autant, j'avais toujours fixé comme règle ou comme orientation qu'on ne fasse des vœux qu'on ne propose au vote que des vœux qui concernent directement la vie de la commune. Pour éviter d'avoir des vœux qui parfois pourrait être sans doute très intéressant en termes de débat général, mais peu utile pour les affaires opérationnelles de la commune dont nous avons la charge. Pour autant, ce n'est pas le cas de celle-là. Ce vœu que va vous présenter Maxime est proposé sur proposition du centre de gestion avec l'accord de l'association départementale des maires, et il est assez important pour le bon fonctionnement des ressources humaines dans nos collectivités. Oui, alors peut-être quand même vous donner le contexte de ce vœu. Le centre de gestion d'Ille-et-Vilaine, le CDG 35, rencontre depuis plusieurs années et nous en fait part des difficultés pour assurer le secrétariat des instances médicales, le comité médical et la commission de réforme. Ce sont des instances réunissant donc des médecins dont le rôle est de rendre un avis sur l'aptitude des agents des collectivités, mais également donc des avis qui sont assez lourds de conséquences pour les agents et les collectivités employeuses, puisque ce sont des sujets d'inaptitude, de retraite ou encore d'invalidité. Ils rencontrent des difficultés à proposer un service de médecine du travail, pénurie de médecins du travail. Les agents de la mairie n'ont pas été reçus en visite annuelle ou biannuelle depuis janvier 2018. Les collectivités ne peuvent pas adhérer à un service de médecine du secteur privé, elles sont refusées. Beaucoup de maires ont exprimé leur soutien et ont suggéré de rédiger un vœu pour soutenir le CDG 35 et le transmettre aux autorités compétentes. Ce vœu concerne donc deux instances. Donc pour les instances médicales du comité médical et commission de réforme, il est proposé donc un allègement du nombre de membres présents et notamment de médecins pour les commissions de réforme. Également une revalorisation, une harmonisation des indemnités pour les médecins qui siègent dans les commissions de réforme des trois fonctions publiques. Une action de communication d'envergure menée par l'État auprès des médecins généralistes pour les inviter à siéger au sein des instances médicales. Enfin, pour les expertises, des actions de communication et de formation des praticiens en partenariat avec l'Agence régionale de santé et les ordres départementaux des médecins. Pour la médecine de prévention, il est proposé une adaptation du statut des infirmières de santé au travail pour qu'elles puissent réaliser les visites d'embauche comme dans le secteur privé. De permettre aux médecins qui exercent déjà et qui souhaitent se reconvertir ou diversifier leurs activités d'exercer dans la prévention en facilitant le mode d'accès à cette spécialité. Une revalorisation de la grille salariale des médecins de santé au travail pour être plus en phase avec l'état du marché et de rendre obligatoire un stage de 6 mois pour les internes en médecine dans un service de santé au travail. Ce vœu donc va être transmis, Pierre le rappelait, donc à l'Association des maires d'Ille-et-Vilaine, l'Association des maires ruraux d'Ille-et-Vilaine, aux 333 maires et aux 18 présidents d'intercommunalités, aux présidents de la région, du département et du SDIS 35, aux parlementaires pour donner suite au débat sur ce sujet et encourager à des évolutions législatives rapides pour assurer la continuité des services, aux instances enfin nationales, consultatives sur les questions en ressources humaines, la Fédération nationale des CDG, et le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale tout particulièrement. L'objectif de ce vœu, c'est de recueillir le plus de soutien de la part des collectivités utilisatrices des services du CDG 35, de sensibiliser le plus grand nombre pour une évolution de la législation, et enfin avoir conscience des difficultés de la gestion du personnel induites par les lenteurs, retards de décision dans les impacts RH et finances liés. Voilà. Merci Maxime. Des questions. Faut bien comprendre en fait que c'est un enjeu, c'est l'enjeu de la médecine du travail en France qui est très compliqué, en particulier la fonction publique.
Et l'enjeu est essentiel parce que, au-delà des inaptitudes, il peut conduire à des situations de personnel très complexes, puisque au bout d'un certain temps, les fonctionnaires passent en ce qu'on appelle en mi-traitement, c'est en demi-traitement. Et si la commission, les instances médicales n'ont pas pu se réunir, bah, ce mi-traitement peut décroître, ou en tout cas se maintenir, alors même que si un état d'invalidité totale ou partielle était reconnu, ça permettrait d'enclencher des dispositifs mutuels. Donc ça peut conduire à des situations individuelles qui sont très 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 problématiques, au-delà de bloquer par ailleurs des process de la gestion des ressources humaines usuels. Voilà, je mets ce vœu aux voix. Oui, monsieur Dumetet. Je profite justement de ce sujet pour dire que je suis vice-président de la médecine du travail 35 et que le sujet est le même dans le privé. Cette problématique de médecins, cette problématique d'infirmières, cette problématique de blocage pour les salariés du privé aussi, qui ne passent pas en réforme quand il faut et qui entraîne des problématiques financières importantes. Et je trouve que ce vœu est extrêmement intéressant, mais je demanderais moi aussi, si vous pouviez, et en particulier toi Pierre, que ce sujet soit bien plus global, qu'il ne soit pas exclusivement la médecine pour la santé des fonctionnaires. C'est bien un problème de santé en France complète, la santé du travail complète. Et je pense qu'une vraie réforme devrait être montée et demandée, comme nous on le fait dans le privé. Je pense que si on était aussi soutenu par la fonction publique, ça serait une très bonne chose, que les députés se penchent réellement sur ce sujet qui est extrêmement ennuyeux en France. On est resté sur une médecine du travail de 19 d'après-guerre. Ce n'est absolument plus aujourd'hui ce dont on a besoin. Et si on pouvait tous, une fois, se retrouver ensemble pour porter ce sujet, public-privé, ça me semblerait une assez bonne initiative. Jean prend bonne note et je ferai autant que possible et dans mes moyens le transmetteur. Un des ministres concernés qui sera au congrès, à l'Assemblée générale départementale des maires au courant octobre à Saint-Grégoire. Donc, comme ça se tient dans le MC2, tu auras l'occasion peut-être de lui en glisser un mot directement. Je mets ce vœu aux voix, je l'ai fait déjà. Non, je ne l'ai pas encore fait. Non, pas fait. Donc, si je l'ai déjà fait, non. Je le refais, je ne sais plus, j'ai un doute. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie, Jean-Christophe. Subvention complémentaire à l'atelier photo de Saint-Grégoire. Une fois que j'ai dit ça, j'ai presque tout dit. Oui, mais on va trouver des éléments. Effectivement, l'atelier photo de Saint-Grégoire, plus traditionnellement appelé club photo, est un club qui marche très très bien, puisqu'ils ont obtenu de nombreux prix au niveau régional et au niveau national, notamment dans la catégorie nature et noir et blanc. Et cette année tombe leur 10e anniversaire. À ce titre, ils souhaitent marquer le coup par une manifestation un peu plus, une exposition un peu plus importante, en tout cas. Et à ce titre, ils nous sollicitent pour un montant d'une subvention, donc de 1 300 €. Je rappelle qu'en fait, dans ces 1 300 €, il y a aussi leur subvention de fonctionnement de 600 €. Voilà, le détail. Donc, si vous en êtes d'accord, de voter une subvention de 1 300 € pour le 10e anniversaire du club photo de Saint-Grégoire. Merci. Tu as raison de rappeler par ailleurs le palmarès du club photo, parce que j'avoue que j'ai découvert à l'occasion d'un courrier cet été qu'il y avait des concours dans le domaine et un palmarès surtout national, international, ce que je ne savais pas. Est-ce qu'il y a des questions sur cette subvention ? Je pense que personne n'est... Oui, Nathalie. Je voulais juste ajouter, si vous m'entendez, que le vernissage de cette effectivement très belle exposition, on a commencé nous à voir quelques éléments, aura lieu jeudi 16 septembre à 19h. C'était la petite remarque. Voilà. Merci, on pourra y aller d'autant plus facilement qu'on a une commission générale... juste après, donc on pourra rapidement passer avant de... Voilà, je vous autoriserai 15 minutes de retard à la commission générale, de telle sorte que vous puissiez passer dire bonjour au vernissage, pour ceux qui le souhaitent. J'ai mis aux voix, du coup, faut que je reprenne les habitudes. Hein. Je vais mettre aux voix cette délibération. Y a-t-il des oppositions, des abstentions, unanimité? Merci. Je pense qu'il y a des délibérations que j'ai fait voter deux fois ce soir, mais les votes sont les mêmes, donc c'est déjà bien.
Je vous remercie. On a épuisé l'ordre du jour. C'était un petit ordre du jour. Nous nous retrouvons jeudi soir donc pour une commission générale importante avec plusieurs points à l'ordre du jour, dont le schéma directeur des équipements sportifs que nous aurons ensuite l'occasion d'aborder un peu plus tard en séance publique quand nous aurons rendu les derniers arbitrages. Voilà, la séance de ce conseil est levée. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Puisque nous retrouvons un peu de public. Vous êtes le public, presque. Non, vous êtes deux. Monsieur Kémeret. C'est une photo de rentrée. Très bien, on vous autorise, pas de problème. Parfait. Bah écoutez, merci beaucoup à vous tous. Je vous souhaite une bonne soirée et bon courage pour reprendre le fil des activités. Le mois de septembre, c'est souvent un mois de montée en charge progressive. Donc bon courage à tous et nous, on se retrouve donc jeudi soir. Bonne soirée.